que j'ai reçu, que j'ai lu cette semaine, qui j'ai même partagé à des sœurs dans le Seigneur, tellement c'est bon. Puis ça va avec les enseignements qu'on reçoit présentement sur qui est Dieu et sa grandeur, son omnipotence, son omniscience, son omniprésence, le fait qu'il est éternel. Il peut tout, toute sa puissance, c'est ça qui m'a habité cette semaine, toute sa puissance, il sait. Il savait, il sait, puis il va le savoir, il sait tout le temps. Il peut tout, et cette puissance-là, il nous l'accorde. Et ce que j'ai lu, c'est, peut-être que je ne prononcerai pas bien son nom, ça vient de Jean-Louis Gaillard, ou Gaillard, qui dit, ça dépend toujours quelque chose, ça dépend toujours dans quelle main c'est, pour qu'est-ce que ça peut faire. Et moi, ce que ça me rapportait, c'est que nous, là, on est dans les mains de Dieu. On est dans le creux de sa main. Et ce que M. Gaillard disait, c'est un ballon de basket dans mes mains, ça vaut quoi? 10$, peut-être 12$. Ça fait longtemps que je n'ai pas acheté, là, mais pas plus que ça. Ou plus, un peu, mais pas grand-chose. Mais dans les mains de Michael Jordan, c'est des millions. Tout dépend dans les mains desquelles qui se trouvent. Une raquette de tennis, je ne sais pas s'il y a des pros parmi vous ici ou bien qui m'écoutent sur le web, mais dans les miennes, en tout cas, ça ne vaut pas cher, mais dans Roger Federer, ça vaut combien? Un bâton dans les mains de Moïse, ça l'a ouvert une mer. Hein? Moi, dans ma main, là, ça va m'aider si je marche en forêt, mais à part de ça. Hein? La fronde dans les mains de David. Pour nous autres, c'est un jouet, mais lui, ça a été l'arme puissante qui a pu faire l'œuvre de Dieu. Deux petits poissons, moi, je suis quelqu'un qui aime recevoir. Je suis en peine depuis la pandémie, là, parce que j'aime recevoir. Mais deux petits poissons puis cinq pains, j'aurais nourri quelques personnes, peut-être. Si c'est mon mari qui a pêché le poisson, ou si c'est moi, ça va être de la longueur. Ah oui, mais je sais pas. Mais dans les mains du Seigneur, hein, il a nourri des foules. Alors ça m'a vraiment touchée de lire ça dans ce que je vivais avec le Seigneur. Puis c'est ce qui m'amène avant de débuter la louange. Vous prendrez le temps de le lire. C'est Ésaïe 43, mais je vais vous lire juste le verset 1 et le verset 4. Maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé, Jacob. Mais celui qui t'a créé, hein, Monsieur Blais, vous avez été créé aussi. Monsieur Bruno aussi, Carl, France, Ghislaine, Christian, Simon, Marielle, Corneille, François et tous ceux qui nous écoutent. Celui qui t'a créé, celui qui t'a façonné, te dit, n'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom et tu m'appartiens. Et le verset 4, il nous dit pourquoi. Parce que tu as de l'importance à mes yeux et parce que je t'aime. Amen. Le Seigneur nous aime. Alors, Seigneur, on veut te louer. Amen. Veux louer le Seigneur avec moi? Sa grandeur, sa bonté, sa puissance. Qu'on puisse mettre à part toute chose de côté pour qu'on puisse se concentrer. Les yeux fixés sur toi, Seigneur, parce qu'on est dans le creux de ta main. Parce que tu nous aimes. Merci Seigneur pour ta grandeur. Merci Seigneur pour ta fidélité. Viens prendre toute la place et qu'on puisse te louer de tout cœur, Seigneur. Alléluia. On veut te louer et te bénir. Merci Jésus. Prends toute la place. Amen. Il est tout puissant.
il a créé toutes choses. Grand est notre Dieu, grand est notre roi, grand est le Seigneur. Il est le maître de l'univers, son nom est plus grand que tout autre nom. Il est tout puissant, il a créé toutes choses. Qu'on puisse lui rendre gloire. Gloire à notre Dieu, gloire à notre roi, gloire au Seigneur. Il est le maître de l'univers. Gloire à notre Dieu, gloire à notre roi, gloire au Seigneur. Il est le maître de l'univers. Il est le maître de l'univers. Il est le maître de l'univers. Oh Seigneur, on veut te rendre gloire, on veut te remercier, Seigneur. Tu es le maître de l'univers, Seigneur, mais tu prends soin de chacun de nous. Parce que tu nous aimes, on a vu prier à tes yeux, Seigneur. On est dans le creux de ta main. Merci de nous dire, n'aie pas peur. Merci d'être là, d'être puissant, d'être présent, de tout savoir. Et le même hier, aujourd'hui, éternellement, car tu es éternel. Il est le maître de l'univers. Il est le maître de l'univers. Amen, le maître de l'univers, qu'on puisse le bénir. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Rends gloire à son Saint-Nom.
l'éternel, pour mon âme, rend gloire à son Saint-Nom. On le reprend et que chacun de vous chante comme jamais vous avez chanté, qu'on puisse le bénir. Alléluia! Bénis Dieu, oh mon âme, oh 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 mon âme, rend gloire à son Saint-Nom. On chante comme jamais, oh mon âme, rend gloire à son Saint-Nom. 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 Rends gloire à son Saint-Nom. Rends gloire à son Saint-Nom. Alléluia, Seigneur. On rend gloire à ton nom, Seigneur. On a soif de ta présence. Oh, Dieu puissant, Dieu présent. Rends gloire à son Saint-Nom. Rends gloire à son Saint-Nom. Alléluia. Alléluia. Seigneur, on a soif de ta présence. Oui, merci d'être tellement attentif à chacun de nos besoins. Merci, Seigneur, qu'on ait du prix à tes yeux. Merci de ton amour. J'ai soif de Dieu, de Jésus-Christ, du Saint-Esprit qui habite en moi. J'ai soif de Dieu, de Jésus-Christ, du Saint-Esprit qui habite en moi. J'ai soif de Dieu, de Jésus-Christ, du Saint-Esprit qui habite en moi. J'ai soif de Dieu, on a soif, Seigneur, de ta présence, oh Dieu. Alléluia, qui habite en moi. J'ai soif de Dieu, de Jésus-Christ, du Saint-Esprit, qui habite en moi. J'ai soif de Dieu. J'ai soif de Dieu, j'ai soif de te goûter, Seigneur, encore plus, de m'approcher encore plus, Seigneur. De sentir ta présence comme jamais, Seigneur. On est dans le creux de ta main, Seigneur. Que ton amour découle, coule sur nous. Déferle, Seigneur. J'ai soif de Dieu. J'ai soif de Dieu. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Seigneur, même ceux qui nous aiment dans notre monde ne nous écoutent pas tout le temps. Mais toi, tu es toujours attentif à chacun de nos besoins, Seigneur. Alléluia. J'ai soif de Dieu, de Jésus-Christ, du Saint-Esprit qui habite en moi. J'ai soif de Dieu, de Jésus-Christ, du Saint-Esprit qui habite en moi. J'ai soif de Dieu. J'aime l'Éternel, car il entend la voix.
Je l'invoquerai toute ma vie. J'aime l'Éternel, j'aime l'Éternel. Il a délivré mon âme de la mort, mes yeux. Seigneur, on veut te dire qu'on t'aime. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché son oreille vers moi. Je l'invoquerai. J'aime l'Éternel, j'aime l'Éternel. Il a délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. L'Éternel est miséricordieux et juste. Tu es plein de compassion, Seigneur. Toujours attentif. On veut te remettre toutes choses en tes mains et voir ta main agir, Seigneur, dans chacune de nos vies. Parce que tu es présent, toujours à l'œuvre, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Merci de ta grande fidélité. De ton amour envers nous. Merci Seigneur. Alléluia. 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 On puisse s'émerveiller de tout ce qu'il fait. Je suis émerveillée. En ta sainteté, je viens me prosterner, indigne de m'approcher. Je chanterai jamais ta gloire ou majesté. Je t'aimerai jamais, prince d'éternité. Gloire, gloire, oh, ma à mon roi. Gloire, gloire, hommage à mon roi. Les cieux m'ont raconté l'éternelle destinée. Tu es le Rédempteur, le Tout-Puissant Sauveur. Je chanterai jamais ta gloire, ô majesté, je t'aimerai jamais, prince d'éternité. Gloire, gloire, hommage à mon roi. Gloire, gloire, hommage à mon roi. Le voile est déchiré, je peux m'abandonner.
une brèche dans le ciel pour la vie éternelle. Je chanterai jamais ta gloire ou majesté. Je t'aimerai jamais, prince d'éternité. Gloire, gloire. Hommage à toi. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons les mains et te louons en exaltant ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons les mains et te louons en exaltant ton saint nom, car tu es grand, Seigneur, tu fais les merveilles. Nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi, car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles. Comparable à toi, nul n'est comparable à toi. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons les mains et te louons en exaltant ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons les mains et te louons en exaltant ton saint nom, car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi, car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi, car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles. Comparable à toi, nul n'est comparable à toi. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, on veut te rendre grâce pour tout ça. Nul n'est comparable à toi, mon Dieu. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent à toi la gloire. La gloire, Seigneur. Les cieux et la mer, la vie, la lumière nous parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de ta voix. La terre chante majestueux, souverain.
toi serviteur, tu vins sur la terre révéler l'amour. Divin créateur, merveilleux sauveur, tu vis pour toujours. Tes enfants chantent, majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint, oui Seigneur, la création loue ton nom.
Merci pour ce moment magnifique de louange. Que le Seigneur bénisse. Une fois de plus, bien-aimés, je nous souhaite à tous la bienvenue à ce culte conjoint de l'Église Centre Vie Abondante pour Montmagny et la Pocatière et de l'Assemblée Vie Nouvelle de Saint-Malachie pour Beauce-Bellechasse. Alors, il y a trois façons de suivre les cultes conjoints des deux églises. La première façon, en ligne sur Zoom. Pour recevoir le lien des rencontres, il suffit tout simplement de s'inscrire par courriel. Au niveau de l'Assemblée Vie Nouvelle, contactez Karine. Au niveau de l'Église Centre Vie Abondante, contactez le bureau de l'Église. La deuxième façon, c'est sur les sites web et les réseaux sociaux respectifs des deux églises. Pour ceux qui ne peuvent pas suivre la rencontre sur Zoom, vous trouverez diffusé en ligne l'enregistrement des cultes. La troisième façon d'assister sans présentiel à l'église Centre Vie Abondante à Montmagny. Ceci seulement pour les participants de l'église et leurs invités. Je voudrais rapidement vous présenter les règles de sécurité sanitaire à suivre lors de nos participations présentielles. Alors, vous êtes sans ignorer que le masque médical est obligatoire en tout temps. Le lavage des mains doit être fait à votre arrivée et à votre départ. La distance doit être maintenue à 2 mètres en tout temps. Seules les personnes demeurant à la même adresse peuvent s'asseoir ensemble côte à côte. Évitez tous les contacts physiques. Limitez le plus possible vos déplacements dans l'église. Dès la fin du culte, évitez de vous attarder sans raison à l'intérieur. La rencontre sur la guérison divine et la délivrance avec le pasteur Corneille se poursuit. La prochaine rencontre se tiendra cette semaine, bien évidemment, jeudi le 22 avril à 19h30. À cause du couvre-feu à 20h, la rencontre se tiendra sur Zoom seulement. Alors, je voudrais également prier toute personne de bien vouloir donner nos dîmes et nos offrandes. Au niveau de l'église Centre Vie Abondante, vous pourrez déposer vos dîmes et vos offrandes dans le panier qui est ici à l'arrière de la salle à votre départ de l'église. Pour ceux qui sont sur Zoom ou qui écoutent les enregistrements, il est toujours possible de donner en ligne sur notre site web www.eglisecentrevieabondante.org. L'église Centre Vie Abondante, tout de même comme l'église Vie Nouvelle, au niveau de ces deux églises, vous pouvez aussi remettre vos dîmes et vos offrandes directement par transfert bancaire ou par Interact. Pour toute information à ce sujet, vous pouvez contacter Karine pour l'église Vie Nouvelle ou le bureau de l'église à Montmagny pour l'église Centre Vie Abondante ou Chapelle de la Porte. Il est important, bien aimé, de faire parvenir vos dîmes à vos églises pour votre propre bénédiction personnelle et pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur dans la région. La soirée conjointe de mobilisation dans la prière sur Zoom pour l'église Centre Vie Abondante et l'église Vie Nouvelle se tiendra samedi 8 mai prochain de 10h à 11h30 le matin. En fait, nous organisons, nous aurons ensemble une rencontre de prière d'intercession dirigée par le pasteur Corneille contre la pandémie. Nous prions aussi pour la mobilisation de l'Église, pour que l'Église s'élève comme l'armée de Dieu dans ce monde tel que Dieu nous appelle à être.
Donc, vous pouvez participer en présentiel à la rencontre ici, à l'église de Montmagny, ou sur Zoom, selon votre choix. Ça, c'est pour l'église Centre Vie Abondante et l'église Assemblée Vie Nouvelle. Donc, la rencontre, comme je l'ai dit, se tiendra le samedi 8 mai à partir de 10h, donc de 10h à 11h30. Le culte, le dimanche, aura lieu. La rencontre n'annule pas le culte du dimanche. D'accord? Donc, samedi, on a rencontre à 10h, de 10h à 11h30, et le dimanche, on a culte. C'est le 8. Donc, c'est le 8. Donc, sur ce, je vous remercie, que le Seigneur vous bénisse. Donc, le moment est arrivé d'écouter sa parole. Donc, vous savez, la parole de Dieu, c'est notre nourriture spirituelle. Vous voyez, c'est notre nourriture spirituelle. Un enfant qui ne mange pas normalement, il ne se porte pas bien. Hein? Vous allez voir des enfants atteints de kwashiorkor. Hein? C'est une carence en vitamines. C'est parce qu'il est mal nourri. Hein? Donc, spirituellement, si nous ne voulons pas être malades, mais il faudrait que nous puissions manger la nourriture spirituelle. Alors ce matin, le Seigneur nous a préparé un plat consistant. Avec toutes les vitamines A, B, C, D, E, F, G. Est-ce qu'il y a la vitamine G? Bon, peut-être la vitamine G, c'est une vitamine spirituelle. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a un plat consistant que le Seigneur a préparé pour nous. Je voudrais tout simplement te demander de ne pas être distrait, de prêter l'oreille, de donner toute ton attention à la parole de Dieu. Et je suis convaincu que le Seigneur te bénira ce matin. Alors sur ce, je voudrais rapidement inviter le pasteur François qui va nous présenter la parole de Dieu. Et comme il vient, est-ce que nous pouvons adonner une offrande d'acclamation pour la gloire du Seigneur? Merci. Bonjour à tous. Quel accueil ce matin. Hein? Incroyable. Vous savez, on a tous hâte de retourner au restaurant, hein, mais que la pandémie soit terminée. Je sais que vous lisez la parole de Dieu chez vous comme on prend des bons repas qu'on se concote à la maison nous-mêmes. Mais ce matin, c'est vraiment comme une invitation au restaurant, je pense, qui vous est lancée, de pouvoir profiter de cette nourriture spirituelle que je crois que Dieu m'a donnée pour vous ce matin dans ce message de la parole de Dieu. Mais avant de passer au message, je vais enlever mon masque. Hein? On s'habitue à un moment donné à le faire. Est-ce que c'est commencé? Oui, d'accord. Alors,